grand chose à prouver de ce côté-là. Passé par Gap également. Exactement. Et alors que du côté Angloy, on peut voir toujours Polodian, Vasilev, Ranger pour les accompagner ce soir. Avec une belle défense là, hein. On allie la jeunesse avec l'expérience. Schmidt, voilà, qui a le palais en ce moment, qui le perd avec Dame Malka. Voilà, c'est vite corrigé. Bonne intervention, ça dégage. Voilà, on voit qu'on va pas trop se tracasser à faire de relance côté de l'Armadie. Polodian qui mène à l'attaque. Et ils jouent très bien ces deux-là ensemble, là, vous voyez. Très belle occasion qui revient plein centre, mais Robson. Attention, le rebond, Salo qui est présent dans la cage. Ça décale, et le but. Le but des boxeurs de Bordeaux, qui ouvre la marque à 4 contre 4. C'est Spinozzi, Kevin Spinozzi, le défenseur offensif bordelais. Oui, Spinozzi qui marque, oui, qui a pas mal de buts. Qui vient ajouter un nouveau pour un but. Défenseur. Tout à fait. Sur un joli travail de Salo et de, je sais plus, le Carosa. Carosa, exactement, qui est devant la cage. Il arrête pas de jouer ces derniers temps. Hein. Il enchaîne les matchs, exactement. D'où la récente acquisition du gardien finlandais. Pour les bordelais, ouais. Oh, but oh oui, but plein centre. Eh ben c'est Tarantino qui est sorti de la prison là pour mettre ce but. Et voilà, il se fait pardonner. Hein. D'où la récente acquisition du gardien finlandais. Il marque dans les bandelets, ouais. Récente acquisition du gardien finlandais. Ça m'a, j'ai un doute. Du coup maintenant, pour les bandelets, ouais. Oh, but, oh oui, but plein centre. Premier tiers, regarde. On est en 1-2-2. Voilà, donc on attend l'équipe d'Anglette. On va pas presser cette fois-ci. On voit qu'ils sont en plein contrôle du palais, donc on attend et ça paye, voilà. Ça récupère un palais. Un décalage. Ah, c'est bien fait ça avec Jules Bosque. Et oh but là là, petit shoot à rebond. Ça a été dévié, non? Il y a eu un rebond spécial hein, devant la cage. Ce qui est sûr, c'est que le palais a fait 6 ou 7 rebonds. C'est déjà des palais assez difficiles à négocier pour les gardiens. Hein. Et il y avait du trafic, donc probablement dévié devant la cage, mais en tout cas. Ah mais bon shoot de Jules Bosque. Masqué, trafic devant la cage, comme tu dis. Des fois il n'y a pas de vesque. Désolé mes amis canadiens. Mais merci pour l'info surtout. Donc face-off offensif pour Anglette qui... But et voilà, Dame Malka, on l'a dit. Dame Malka de la qui va célébrer sur le banc avec Baron. Ah oui, 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 de toute façon. Là, c'était un laser. Hein. Ah oui, oui, oui. On est juste au-dessus là, honnêtement. Merci pour le palais surtout. Est parti de la palette, il allait droit dans le filet. Hein, donc face-off offensif pour Anglette qui... But et voilà, Dame Malka, on l'a dit. La technique de défense à adopter. Sauf sorti par Bordeaux. Boss qui dégage mais intercepté à la ligne bleue par Vasilev. Vasilev qui est partout. Hein. Il était pas du bon côté. Il y a Kazarin qui s'en sort bien dans le coin. Ah l'attention, s'il y a bien un monsieur qu'il faut pas laisser shooter, c'est lui. Mais le rebond, un le Glover. Un shoot anodin par Dame Malka et joli rebond pris dans le slot. Ah et puis Gaëtan Richard qui était pas mal dans sa cage, du coup c'était un peu compliqué. Ah l'attention, s'il y a bien un monsieur qu'il faut pas laisser shooter, c'est lui. Le rebond, le Glover, un shoot à nous. Richard. C'est vrai qu'on essaye d'aller chercher un décalage, mais là au final ils sont allés chercher un petit shoot à la bleue plein centre, donc cela n'a pas payé. Allez c'est reparti, il reste 40 secondes à 5 contre 3. Fin de shoot de Poudrier. Qui décale. Beaucoup de mouvement hein, côté bordelais. Ça va chercher le second poteau, mais c'est raté. Anglette qui est très resserré hein, sur son but. Attention, ouais, c'est bloqué. Beaucoup de joueurs dans le slot là, attention. Vallier à son tour. C'est un gros shoot. C'était but. C'est célébré. Il y a but. Jeff Palofs, le top scorer. Ouais, Jeff Palofs qui est le meilleur buteur, qui est le meilleur passeur et le meilleur pointeur de Bordeaux. Qui aggrave son compteur personnel. Il a 30 points, maintenant 31, 18. Bordeaux change, l'Armadi également. Encore Glover en position du palais. Il essaye de prendre de la vitesse. Petit danger. Vallier. Ouais, mais regardez Vallier. Vallier qui récupère le palais. Attention. Et le but de Lego. Sur un beau pressing de Peter Vallier. Et qui a fait la passe simple rapidement. Il a fait tout le centre. Il a fait tout le travail. Quelle passe décisive. Donc Bordeaux qui prend l'avantage. Vallier, ouais, mais regardez Vallier. Voilà, Vallier qui récupère le palais, qui décale. Et le but. Le but de Lego. Sur un beau pressing de Peter. Alors que l'Armadi récupère le palais en zone offensive. Et bataille dans le coin.
Vasilev, encore lui, petit virage, une fois, deux fois. Changement de direction incroyable encore. Oh, oh, ce petit palais qui traîne, c'est un but. Joli shoot de Vasilev pour le rebond. Je crois que c'est rangé. Un premier arrêt de Gaëtan Richard, malheureusement. Non, pas du tout, c'est pas rangé, autant pour moi. L'attaque traîne, c'est un but. Joli shoot de Vasilev pour le rebond. Je crois que c'est rangé. Joli transversal de Bordeaux qui tente, ouais. Mais Schmidt veille au grain. Schmidt qui est très en vue hein, ce soir. Qui décale. Oh, il fait but d'Anton Vasilev. Enfin Siniev qui trouve la lucarne opposée. Quel shoot. Sur un gros travail de Schmidt. Il a marqué ce sixième but. Ils vont juste chercher à se dégager. Pour l'instant c'est Bordeaux qui est au contrôle du palais. Joli décalage. Poudrier. Ouais, ça se bagarre devant la cage. Hein, pour le one timer Poudrier. Attention, ouais, c'est au-dessus, c'est pas cadré. C'est pas cadré, heureusement je pense que. Que Robson ne voyait rien. On sent vraiment le. Quelle bagarre là dans cette fin de match. Il reste 3 minutes à se dégager. Et le palais qui. Le but 6 à 4. Exactement. Et on va terminer là-dessus. Voilà. 7 secondes. C'est fini. Voilà. Le joueur qui arrête de jouer. Il dégage au palais. C'est la victoire dans ce derby. Dans ce derby. Ça... On a dit qu'il gagne 6-4 contre Bordeaux. Ça va leur permettre de souffler un peu avec Chamonix qui est juste dans leur ombre, dans leur trace. Et Mulhouse qui a gagné 6-2 qui a gagné Gap. Également, voilà, contre Gap, exactement. Belle victoire des Anglois ici à la barre. Et une victoire de Grenoble au tir à but contre Rouen. Tir au but. On va pouvoir suivre le prochain match à domicile de Anglette, donc Anglette-Mulhouse, le jeudi 22 décembre à 20h30. Dans 15 jours, tout pile. 15 jours. Match très important pour ces deux équipes. Voilà. Une petite trêve bien méritée hein, pour ces joueurs. 15 jours de repos. Voilà, donc retrouvez-nous jeudi 22 décembre à 20h30 sur Fansit ou à la barre. Ce sera un plaisir de commenter ce match. Alors que les équipes se sont mis en rang pour accueillir les MVP de chaque côté. Pour les boxeurs donc. Dans les joueurs qui ont fait un très gros match, on peut observer Spinozzi, Peter Vallier. Ouais, Salo, Jeff Salo, Palof qui était très en vue aussi. Salo, Jeff Palof qui a fait quelques... Il y en a plusieurs, Poudrier, toujours important et influent dans le jeu des boxeurs. Exactement. Attends, le partenaire là pour donner ce prix. Chocolatier, je crois. Qui va avoir des petits chocolats pour Noël. Ouais, c'est ça, c'est Peter Vallier. Peter Vallier, donc, qui fait un très gros match. Bon, un peu noirci à la toute fin par sa pénalité, malheureusement. Mais le travail effectué avant est très, 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 très bon. Très. Chocolatine Média, le partenaire. Oui. Peter Vallier qui a fait encore un gros match, même s'il est meilleur buteur, il n'a pas marqué, mais très influent dans le jeu. On va pouvoir ramener le petit déj à la maison demain matin. Voilà. C'est très bien. Alors que donc du côté Angloy, je rappelle, dans les joueurs qui ont fait un gros match, on peut observer Charles Schmidt, on peut observer Anton Vasilev, Austin Glover. Donc. Et ce monsieur, voilà, le numéro 70. Deux buts donc sur ce match, peut-être une assist je crois aussi. Ouais, je pense, hein, 3 points. Pas de pénalité, facile. Je me semble aussi. Non, très bon match de la part de Glover, tout comme de son équipe. Hein. On remercie, on félicite aussi les boxeurs de Bordeaux. Oui, le match a été dans l'ensemble très propre. On espère que Polo Diane ne soit pas blessé longtemps. Exactement. Écoutez, il est temps de se dire au revoir. Merci à vous de nous avoir écoutés, merci de nous avoir suivis et puis on se dit à très bientôt. On espérera que le spectacle vous aura plu autant qu'à nous et je vous souhaite à une prochaine. Salut Kevin, à bientôt. Au revoir Guillaume.